Salut à tout le monde. Je m'appelle Laure Surge. Je vais vous parler un peu de l'histoire qui fait buzz dans le milieu congolais, précisément en Liège, Belgique, slash d'un garçon, d'un petit ami à une fille qui a tué son enfant. L'enfant s'appelle Bradley, comme on peut le voir dans le réseau social, ça surkille. On nous dit qu'un homme a tué l'enfant en lui tapant. Il a tellement menacé. Bon, c'est la version que nous avons attendue de la grand-mère. Elle dit que, après la version de cette grand-mère, elle dit que très tôt le matin, il a Bradley, donc le défunt, il a voulu juste dire bonjour à sa mère. Il ouvre la porte de la chambre et le beau-père s'est fâché. Et le petit de 5 ans a été violemment tabassé à la tête et sur de nombreuses zones du corps. Avec une grande force, il aurait succombé à un violent coup de poing dans le ventre qui a provoqué des lésions irréversibles au foie. Le petit Bradley a perdu connaissance. Il décède immédiatement. Bon, selon les soupçons que le monsieur, allegedly, parce que je ne peux pas confirmer, le monsieur en question qui a tué le petit Bradley s'appelle Fabrice Luanza Vuama, originaire de la République démocratique du Congo. D'après les premiers éléments de l'enquête, il semble que le beau-père très violent s'en soit régulièrement pris au fils de sa compagne. Et l'examen du corps de l'enfant pratiqué hier ferait en effet apparaître d'anciennes traces de maltraitance. La maman, elle aussi, était placée en garde à vue. Elle pourrait être mise en examen pour non-dénonciation. L'enquête devra encore démontrer à quand remonte le coup mortel et dire combien de temps a duré le calvaire du petit Bradley. Vraiment, moi, je n'ai pas encore eu des enfants. Je l'espère et je suis en train de penser à cela. J'aurai des enfants par la grâce de Dieu. Mais quand bien même je n'ai pas mes propres enfants, mais j'ai les enfants de mes sœurs, de mes frères, de mes cousins, de mes cousines, de mes tantes, de mes oncles. Et en voyant ceci, vraiment, j'ai été vexée dans mon âme. Hier, je voulais faire cette analyse et du coup, je me suis dit, non, Laure, calme-toi, va dormir en paix. Et c'est pourquoi je n'ai rien fait sur ça. En voyant un homme et puis un jeune homme, je ne sais pas si c'est de la sorcellerie parce que nous, les Congolais, là, les Africains, là, on taxe tout sur la sorcellerie. De nature, vraiment, mes cousines, ils peuvent l'attester, je ne tape pas les enfants. Moi, vraiment, je ne tape pas vraiment les enfants. Je peux taper un enfant, mais ce serait vraiment une facette très douce parce que j'aime pas voir les enfants pleurer. Quand les enfants pleurent, moi aussi, je commence à pleurer. Et ce qui faisait que même mes cousins, je n'aimerais pas les exposer ici, ils m'aimaient trop parce que moi, je n'étais pas trop dure avec eux. Je leur parlais comme des adultes, je le faisais à soi, je lui dis, look, you did this one right, this one you did wrong, I'm not happy with this one, you should behave this one. Et puis il me dit, oh, merci Lord, ou bien thank you Lord, we will not do it anymore. Et c'est comme ça, je me suis comportée devant mes neveux et mes nièces et tout. Je suis pas agressive. Moi, je suis agressive avec le levier. Je suis agressive avec de grandes personnes. Si vous voulez blaguer avec moi, je vais blaguer. Comme ça, on va blaguer. Mais avec les enfants, j'essaie un peu d'être un peu douce, un peu tendre, parce que ce sont des enfants. Taper un enfant d'autrui, un si beau bébé, lui tabasser jusqu'au point à lui ôter la vie. Oh non, 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 non. Ça, c'est inexplicable. Et on vient de voir dans les réseaux sociaux, dans la page de la fille en question, de la mère de Bradley, qui avait mis dans son profil l'amour de ma vie. Et je peux dire combien, allegedly, cette femme a été aveuglée par l'amour qu'est donné son homme. Et je ne sais pas si son pointure là-bas dedans était aussi si fort. Parce que tu ne peux pas être aveuglé d'une personne qui maltraite ton enfant jusqu'au point de lui ôter la vie. Et tu appelles cette personne-là l'homme de ta vie, l'amour de ta vie. L'amour là, l'amour là, les femmes, l'amour là. Tu vois comment ça t'a aveuglé? Aujourd'hui, tu n'arrives plus. Ton enfant est parti.
On peut beau faire des analyses, on peut beau faire des vidéos, on peut beau faire quoi que ce soit. Cela ne va rien changer. Cela ne changera en rien. L'enfant ne reviendra plus jamais. Ça m'a fait trop mal. Trop mal. De voir des Congolais. On a quitté nos pays, comme Makoso aime le dire, PTDDR, un pays très pauvre et très endetté. On vient ici pour chercher la vie. Yes, tu as eu un enfant avec un autre homme. Avant de t'engager avec un autre homme, rassure-toi que tu as dit à cet homme d'accepter ton enfant. Si tu vois que cet homme-là n'accepte pas ton enfant, tu lui quittes. Il n'y a pas confinement, il n'y a pas crise avec les hommes. Sur le, tu quittes le mauvais, tu vas trouver carrément le bon. Pourquoi nous sommes devenus si cheap, comme on dit en anglais, so cheap. Diminuer son standard jusqu'au point de ôter la vie de ton fils unique. Oh my goodness. How can it be? J'ai vu les mamans pleurer. J'ai vu des hommes pleurer. Pour voir un si beau bébé, Bradley, mourir. Ah! Vraiment, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on ne change pas? Pourquoi c'est toujours nous qui sommes au centre des scandales? Toi, Fabrice, allegedly, si c'est toi qui as tué l'enfant, pourquoi taper l'enfant de toi comme si tu te bagarrais avec un homme? Et toi aussi, la maman, quand tu voyais que l'homme frappait ton fils, pourquoi ne pas interdire? Et même appeler la police, yes! Appelle la police. Parce que si, soi-disant que vous étiez dans la chambre et que l'enfant est venu ouverte la porte et tu vois comment ton homme est en train de tabasser ton enfant, toi tu es là, tu t'assois. Pourquoi? Parce que, ah non, il a mal fait. Il fallait qu'on puisse faire notre chose là de matin. Là, c'est trop doux. Tu vois maintenant? Cet homme-là va périr en prison. Nous ne sommes pas au Congo. Hein? Même au Congo, là, il y a l'état des droits qui est installé. Nous sommes au Liège, nous sommes en Belgique, au pays de Flamands. Et il ne blague pas avec les enfants, spécialement, même si cet enfant est noir, s'il est né ici, il est considéré comme le sien. Ton toi là, tu risquerais de faire même 10 ans au moins aux prisons. À cause de BTT, je ne sais pas qu'est-ce qui nous prend. Le femme, à un moment, on doit poser. Hein? À un moment, là, vraiment, on doit poser et réfléchir. Si c'est le mariage, là, qui est notre identité. Non, 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 non. Bon, on passe à une autre chose. Il y a les frères Alvin, tous ceux qui les connaissent. Alvin, qui était auparavant chez Kazarim. Un homme de la Hollande, qui l'appelle. Il lui dit que comme je te vois là, je te vois un homme bien. Bien partout. Un très bon, on tient une belle taille. Un bel ou une belle taille, c'est vous qui vont connaître. Et là-bas, je sais que vous, comme il y a de chaud, la chaudière à tout moment en Afrique, c'est que ton là-bas est aussi gonflé. Ha! Vraiment, l'homosexuel, c'était un sujet très tabou au milieu africain. Parce que je ne peux pas imaginer un homme noir avec un autre homme noir en train de faire la sodomie. En tout cas, je ne sais pas. Parce que comme nos hommes là sont au pique-nique là, ils sont forts, le muscle partout, et tu touches là et tu pénètres. Oh, attends. Acha. Donc un homme gourmet un autre homme. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette nationalité? Je ne sais pas. Je pense bien, si tu dois quitter la Hollande pour aller en Afrique, parce que tu sais peut-être le standing des hommes en Afrique, elle n'est pas peut-être comme la Hollande. Peut-être tu as vu l'étoile de ces jeunes hommes. Et tu as vu que non, il aura percé. Et tu veux lui arracher son étoile. Parce que les gens ne savent pas, il y a des mystères qui se passent. Quand vous faisiez le rapport sexuel,
Ce n'est pas seulement hey, « je t'aime, je t'aime ». Oh non! Quand les coïts se font là, il y a un pacte qui est signé. Quand les comment on a fait ça? L'éjaculation se produit. Il y a un pacte avec le sang qui se colle. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens, leur vie sont foutues. Pourquoi? Nous sommes dormis avec des gens qui ne pouvaient pas. Et là, ce n'est pas un homme à une femme. Mais c'est maintenant, c'est homme à homme. Shame on you. Vraiment, c'est la honte. C'est la honte. Ce que vous faites là. Vraiment, je conseillerais à frère Alvin de ne pas céder à la tentation. Même au confinement, Bozos, on va marcher comme il le faut. Mon cher, en tout cas, il faut faire ce que toi tu veux. Respecte ton Dieu. La bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui enrichit. Aujourd'hui, il va venir là-bas. Il va trouer, détruire ou briser là, ton trou là. De VOE. De l'arrière. Des de pompes d'échappement. Tu auras des problèmes même à satisfaire ta propre femme. Pourquoi? Je connais trop des hommes qui sont pédés, qui sont bisexuels. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas chez leur femme. Pourquoi? Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a plus de choses dans la vie. À un moment, il faut poser et dire, je veux quelque chose maintenant ou je veux quelque chose de durable. Si tu veux quelque chose de durable, même si les situations que tu traverses, pose, ne dis rien. Pose-toi, ne dis rien, rejette, bloque même cet homme. Bloque. Parce que ce sont les mêmes personnes, ils vont venir avec toi, ils font des choses, et demain, il va te publier. Assez, c'est assez. Les chrétiens ne vont pas être exposés comme on est en train de les stone maintenant. Non, ce ne sera plus le cas. Nous ne voulons plus laisser les chrétiens tranquilles là. Donc, avec frère Alvin, tu as échoué, monsieur, à la Hollande. Shame on you. Va te repentir. Dieu a besoin de toi parce que tu as eu un homme qui doit donner sa vie en Christ. Merci. En tout cas, je vous retrouve encore dans une autre émission ou d'édition de Sabeuse. On sera ici. On est en train de rassembler le matériel afin de le lancer directement. Et vous allez me voir live. Mais en ce moment, on fait que les audios comme ça pour vous passer les messages. Soyez bénis. Merci.